Le coup de sifflet de l'arbitre va bientôt lancer cette rencontre. L'arbitre a sifflé, le coup d'envoi est donné. Ballon capté. Un ruck qui s'est formé. L'attaque conserve le ballon. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Ioane. Ils ont bien bataillé et récupèrent le ballon. La passe. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. Il résiste au plaquage. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Et il aplatit le ballon dans l'embut. C'est vraiment le genre d'action que le public aime voir, et nous aussi. Ben oui, Eric, et puis c'est tellement bien exécuté que c'est imparable. Et voyons maintenant cette transformation. Et ça rentre! Ballon bien capté. Belle précision et bonne exécution sur ce offload. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils ont conservé ce ballon. Ça va être un contest. Le soutien est là avec la percussion de Fuser. Le mollet formé et devrait avancer. Ils se sont bien organisés pour stopper l'avancée. Il faut venir au soutien. Superbe contest pour récupérer ce ballon. Il passe le ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Il garde la possession du ballon. Le ballon circule bien. Ils vont contester ce ballon. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Ça circule bien. Magnifique passe après contact. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Et les avants forment un ruck. Ballon toujours en possession. Il fait une passe. Au contest pour ce ballon. C'est récupéré. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Grâce à ce bon contest, il récupère le ballon. Ouais, c'est bien joué ça, sur le côté. Une mêlée spontanée se forme. Il conserve le ballon sur ce ruck. Un ruck annoncé par l'arbitre. Faut venir vite déblayer ce ballon. Une bonne circulation du ballon. Il y a un coup à faire sur les ailes. Et oui, rien ne peut l'arrêter maintenant. Bah, quel essai! Et le moteur qui se met en place pour tenter de marquer 2 points supplémentaires. Et il enquille. Il ne tremble pas sous le ballon. La sirène retentit, ce qui veut dire que nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Il conserve le ballon. Il transmet son ballon. Il devrait tenter un coup sur les ailes. Point de fixation pour l'attaque. Ils ont encore le contrôle du ballon. Le jeu au pied est récupéré. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Et c'est un ruck. Porteur de balle mis au sol. Ballon perdu en touche.
fait circuler le ballon. Il crée un point de fixation. Ballon toujours en possession. Faudrait aller sur les ailes. Attention, ça va être un ruck. Il garde la possession du ballon. Ils font bien circuler le ballon. Ça, c'est bien joué. Ça bataille dans le ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Et formation d'un ruck. Ils conservent le ballon sur ce ruck. Le ballon est transmis. Pas facile ce Rafu. Ah, il a bien travaillé son vis-à-vis. Nouveau point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Et le ballon est dans les bras du demi de mêlée. Ils ont soigné la conservation du ballon. Les joueurs forment un ruck. Ils conservent le ballon. Le décalage est fait sur les extérieurs. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont encore le contrôle du ballon. Point de fixation pour l'attaque. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. J'ai l'impression que ça s'ouvre à l'aile. Un ruck annoncé par l'arbitre. L'attaque conserve le ballon. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils parviennent à conserver le ballon. Avantage. Ils ont toujours un avantage. Ah, et la passe est en avant. Voilà, la première période de ce match est terminée. Et c'est reparti pour la seconde moitié de ce match. Une mêlée spontanée se forme. Il conserve le ballon sur ce ruck. Et c'est un ruck. Il garde la possession du ballon. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Au contest pour ce ballon. Et c'est un turnover. Les transmissions sont bonnes. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Pied plaqué. Faut aller au large. Il esquive le plaquage. Oh, quel plaquage. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils ont conservé ce ballon. Et les avants forment un ruck. Ils ont encore le contrôle du ballon. Belle dextérité sur cette passe. Il faut venir au soutien. Le contest en puissance de Fuser. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Fin de l'avantage. Ballon bien capté. Belle passe. Ils veulent faire vivre le ballon avec cet offload. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. C'est un ruck. Il conserve le ballon. Mêlée spontanée. Très beau contest, tout en puissance. La balle circule bien. Passe. Un beau décalage sur le côté. Un ruck qui s'est formé. Très bon offload. Ça va être un contest. Il conserve le ballon. Des espaces secrets sur les extérieurs. Et c'est un bel essai qui est planté. La transformation maintenant pour 2 points de plus.
Ça ne passera pas. Profitons de ce moment pour annoncer qu'il y a eu quelques changements. Il est probable qu'il cherche ainsi à redynamiser le jeu avec des joueurs frais. Il crée un point de fixation. Ballon toujours en possession. Il passe la balle. Belle offload sur cet enchaînement. Il devrait tenter un coup sur les ailes. Et formation d'un roc. Ils ont conservé ce ballon. Une bonne circulation du ballon. Et on entre maintenant dans les dernières minutes du match. Ils ont encore le contrôle du ballon. Ils font bien circuler le ballon. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. Attention les appuis. Il va marquer. Et oui, c'est l'essai. Mais quel travail et quelle qualité d'exécution sur cet essai. Complètement d'accord, Eric. Ils ont clairement su élever leur niveau de jeu sur cette action. À 0 pour le moment entre les deux équipes. Et les spectateurs ne doivent pas regretter d'être venus assister à ce beau match. C'est une sacrée correction à laquelle nous avons pu assister au cours de ce match. Ah, il n'y a qu'à regarder l'écart au score pour comprendre la différence de performance et de niveau entre ces deux équipes. En effet, Thomas, c'est une victoire écrasante avec un écart de score somme toute considérable. Et cet écart est dû à la remarquable animation du jeu dont les joueurs ont su faire preuve sur le terrain. Nous allons finalement devoir nous quitter. Un dernier mot, Thomas. Merci à tous et à toutes d'avoir...